cœur de la ville et à proximité des services et artères majeures, le secteur Panama est à la fois la porte d'entrée de Brossard et un lieu de convergence. Tous les éléments sont présents pour en faire le futur centre-ville de Brossard. Pour y parvenir, la ville souhaite se doter d'une vision qui guidera le redéveloppement du secteur. C'est pourquoi elle s'engage dans la révision du Programme particulier d'urbanisme, ou PPU. Qu'est-ce qu'un PPU? Le PPU est un outil de planification du territoire des municipalités qui permet d'orienter les développements d'un secteur stratégique de la ville. Il prend la forme d'un règlement. À quoi sert un PPU? Le PPU permet de définir la vocation dominante du territoire visé. Où seront situées les voies de circulation et leurs aménagements? Les parcs du secteur. Les gabarits et volumétries des nouvelles constructions. Les équipements publics à améliorer. Ainsi que l'implantation et les projets d'infrastructures à prévoir. En somme, le PPU permet de préciser, d'encadrer et d'harmoniser les développements futurs du secteur. Comment le PPU est-il mis en œuvre? Le PPU constitue une vision de développement du secteur. Concrètement, une fois adopté, le PPU servira de point de départ pour les révisions de la réglementation d'urbanisme qui seront nécessaires par la suite, tels le règlement de zonage et le PIIA. Processus d'élaboration du PPU. Quelles sont les différentes étapes? En 2021 et 2022, la ville de Brossard invite ses citoyens à participer à l'élaboration du PPU Centre-Ville par un sondage, un atelier d'idéation et une consultation citoyenne. Le but est d'élaborer avec les citoyens et les acteurs du milieu la vision qui permettra de guider l'élaboration du Centre-Ville de Brossard. C'est cette vision qui sera incluse dans le PPU. Brossard construit le centre-ville avec ses citoyens. Imaginons notre centre-ville.